Messi, Neymar qui désormais en plus est tout le temps blessé. Vous vous rendez compte que vous prenez une star qui est à un moment le plus gros transfert de l'histoire du football, 220 millions que vous lui donnez. Les chiffres sont difficiles à certifier, mais on va dire, allez, entre 30 millions et 50 millions par an. C'est absolument... Un pot payé. Astronomique. Et que ce gars-là, au final, si vous prenez toutes les années, eh bien, il a joué 50% des matchs. Comment on peut admettre... Imaginez une entreprise, n'importe laquelle... Donc et vous imaginez que le cadre, la vedette de l'entreprise, ne travaille qu'un vous jour sur deux. Vous virez Neymar ? Mais bien sûr que vous le virez, il n'a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Il peut pas moi, c'est mon, préféré. Alors, effectivement, c'est mon préféré, le problème, Neymar. C'est son contrat. Mais vous n'y connaissez rien dans le foot. Si, mais si, si, je vous assure, je suis obligée. Ah ben je suis obligée, je vis avec trois mecs. Tout le temps à se plaindre, tout le temps à se plaindre. Absolument pas d'accord. Neymar a fait progresser énormément de gens au Paris Saint-Germain. Il a fait progresser l'ostéo, le kiné, le chiropracteur, le chirurgien. C'est vrai.